Capot en troisième case. Pour l'intro, c'est pas du tout compliqué. On va se mettre en position de la mineur. Okay. Le pouce, j'ai joué la corde de mi. Ensuite, on va placer l'auriculaire de la main gauche sur la corde de mi au niveau de la troisième case. C'est le pouce de la main droite qui vient jouer. Et on va légèrement tirer vers le bas. Comme ceci, pour donner un petit effet. On va relâcher. Et on va jouer la corde de Ré avec l'index. On attend un tout petit peu. On recommence. Et juste après, on va jouer la première, la corde de Mi à vide. Et avec l'index de la main droite. Au niveau de la rythmique, c'est pas du tout compliqué. Avec le pouce de la main droite, on va alterner la corde de La et la corde de Mi. Avec un rythme bien régulier. Ensuite, entre chaque basse jouée, on va jouer trois notes en même temps. L'index de la main droite vient jouer corde de Ré, le majeur, la corde de Sol, et l'annulaire, la corde de Si, en même temps. Même chose sur le Sol. Le tout après, bien sûr, c'est d'accélérer. Alors après savoir où placer l'accord de la mineur et le sol, il faut simplement chanter en même temps, et comme ça vous verrez, ça vient tout simplement.